Ben, le projet, au fait, qu'on m'a demandé de faire, c'est ce que j'ai fait en Belgique. C'est d'aller chercher des joueurs peu connus, avec des qualités. Et je crois que c'est ce qu'on a fait mes 2 premières années, malgré le Covid, d'essayer de reconstruire une équipe compétitive. Ça a pris du temps. Même la première année de Will, on n'a pas fait les séries. Je ne sais pas si les gens se souviennent, mais. Et on était avec Georgie, on était avec tous des joueurs importants. Mais on avait raté les séries parce que ça prend du temps. C'est le club, c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes. Avant, l'âge moyen était peut-être presque 30 ans. Ici, maintenant, c'est 23, 24, voire même plus jeunes. Donc, il faut laisser le temps au temps. Les jeunes, on a fait quelques très bons matchs cette année-ci aussi. Je crois que les partisans, et je remercie les partisans aussi de venir toujours nombreux au stade, ils ont vu plusieurs bons matchs au stade Saputo. Sur la route, c'est beaucoup plus difficile. Mais le projet, c'est ça. Je sais que les gens ont de moins en moins je veux dire, la patience ou je veux dire, de comprendre vraiment ce qu'un joueur de football veut faire dans sa vie. C'est de se mettre en évidence pour essayer d'avoir un contrat meilleur dans une compétition meilleure. Et nous, comme club, on était fiers de ce qui s'est passé il y a 2 ans et l'année dernière. Parce que quand il y a 6 joueurs à nous qui vont à la Coupe du Monde, plusieurs joueurs qui ont beaucoup d'intérêt de grands clubs européens, ben moi, c'est une fierté de voir. Et quand maintenant, je vois des Jonathan Sirois, des Saliba, des Jules-Anthony Vissin qui rentrent et qui apportent beaucoup de choses. Même les 2 matchs ici de la X-Cup, pour moi, on a fait 2 bonnes prestations. Les supporters qui étaient dans le stade ont vu un très bon match contre Pumas. Ils ont vu même aussi un bon match contre DC. Malheureusement, on a été incapable de finaliser les occasions. Mais avec un peu de réussite, on avait 6 sur 6, on continue l'aventure dans ce tournoi-là. Avec qui? Regardez bien qui était sur le terrain à la fin du match. C'était Saliba qui était en 2004, il y avait Vissin en 2003, Sounouzi 2002, Opoku et Diouf 2001, Sirois 2001 aussi. Donc c'est tous des joueurs qui sont à peine plus que 20 ans, voire même plus jeunes. Et c'est ça le projet.